Με πρεμιέρα στα Φεστιβάλ Βενετία, Σαν Σεμπαστιάν και το Ρόντο, το σπίτι δίπλα στη θάλασσα έρχεται στις ελληνικές αίθουσες. Είναι μια ανθρώπινη ιστορία με τρία αποξενωμένα αδέρφια που θα βρεθούν στο εξοχικό του ετοιμοθάνατου πατέρα τους και ένα περιστατικό με παράνομους μετανάστες θα τους αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος μίλησε με τους συντελεστές στην πρεμιέρα της ταινίας. Mes films sont toujours l'état de. Racontent toujours l'état dans lequel je suis. Racontent toujours l'état, le niveau de mes réflexions, en fait. Voilà. Donc j'aurais pu faire. Je pense qu'avec chaque film, je pourrais faire la table des matières d'un essai, par exemple, d'un essai sociologique hein, sur le monde d'aujourd'hui. Voilà. À part que je ne fais pas de la sociologie, je fais du cinéma. Donc c'est. Mais. Je pars toujours, consciemment et inconsciemment, de ce que je pense du monde dans lequel je vis. Et c'est ça que je raconte, en fait, dans tous les films. À travers, bien sûr, des personnages, une incarnation, des règles du récit, que j'essaie d'ailleurs de détourner parfois. Donc à travers cette forme particulière qui est le cinéma. Donc avec des acteurs, avec des techniciens, avec des amis, etc. Ma petite sœur, ma toute petite sœur. Je te présente Bérangère, ma trop jeune fiancée. Enchantée. Le cinéma, c'est une pièce magique dans laquelle on entre. Et où on se retrouve assis avec des gens qu'on ne connaît pas. Et où on va regarder un film qui va nous provoquer des émotions, des réflexions, qui va nous émouvoir ou nous faire peur. Et c'est une espèce de parenthèse dans une journée de notre vie. Et on va ressortir de là, quand c'est un bon film, on va ressortir de là avec des questions et avec une relecture de la réalité dans laquelle on vit. C'est un peu inconscient, on ne s'en rend pas compte comme ça tout de suite. Mais c'est à ça que ça sert le cinéma. Je tente avec ce resto de continuer dans l'esprit de papa, avec des petits prix pour des gens qui ont peu d'argent. Mais là, j'y arrive plus. J'étais génial, tes patins. Je ne fais que les recettes de notre père. Les recettes de notre père qui avait piqué à notre mère. Il ne savait pas faire cuire un œuf avant qu'elle meure.